Good morgen, allez, Iden et Tus, aujourd'hui le Lundi Shmat, pour son frère Ben Hanak, Janine Ruth, bonne fortune, Mazal Fritna, et Claude Shlomo, Benjamin, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Dumisha pour que la continuité éternelle, nous étions dans la Sechet Kiddushin, Père Gimel, Mishnah Yud Bet. Kol makom sheyesh Kiddushin ven Avera, Avalad, Olech, Achar, Azachar. Ve Eize, Zu Kohenet, Levi, Ave Israeli, Chiniset, Le Kohen, Ule Levi, Ule Israel. Ve Kol makom sheyesh Kiddushin, Ve Yesh Avera, Avalad, Olech, Achar, Apagum. ואיזו, זו אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל. בת ישראל לממזר ולנתין. וכל מי שאין עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, אבל את ממזר. ואיזה, זה הבא על אחת מכל האריות שבתורה. וכל מי שאין לה, לא עליו ולא על אחרים קידושין, אבלד כמותה, ואיזה, On va entrer maintenant dans un nouveau sujet, jusqu'à la fin du chapitre, et même le début du chapitre prochain, c'est qui a le droit de se marier avec qui, et quel type d'enfant on va fabriquer. Soit, de manière générale, il y a des gens avec qui on a le droit de se marier, des gens avec qui on n'a pas le droit de se marier, mais il y a toutes sortes de niveaux de gens avec qui on peut pas se marier. Il y a des interdits que la Torah la précise avec des interdits, mais ils se lavent. Hein, tu ne te marieras pas, mais si on se marie, les Kiddushin, ils prennent, même si c'est un interdit. Prenez un exemple simple, un Kohen qui va se marier avec une femme divorcée. S'il se marie avec elle, sa femme devient sa femme. Mais les enfants qu'il aura seront des enfants invalidés, ils seront halalim. Il n'a pas le droit de rester marié avec cette femme, mais s'il se marie, les Kiddushin sont aussi, mais j'ai acquis quelque chose de manière interdite, je suis marié avec elle. La même chose si un homme, n'importe quel juif, il se marie avec une mamzeret. La Torah elle a dit, l'oliavo mamzer bikal Hashem. Il ne pourra pas se marier avec, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais s'il se marie, il transgresse l'interdit, mais il fait, d'accord? À la différence de certaines femmes qui sont interdites et que même si on va vouloir les marier, elles ne seront pas mariées. Exemple simple, je vais me marier avec ma sœur. Même si je lui donnais des kiddushin et tout ce que vous voulez, je ne peux pas me marier avec elle. Il y a des règles. On avait déjà évoqué le sujet longuement dans Yéva Mot, et là dans Kiddushin, on va s'intéresser, cette fois-ci plus sur l'aspect de définir quel type d'enfant ça va faire naître. D'accord? Et on commence avec, je vais traduire les généralités, il y a quelques petits problèmes, c'est qu'il y a des généralités qui n'englobent pas tout en réalité, et c'est la problématique de la Mishnah. Mais de manière générale, ça va être assez simple. D'accord? Comme les exemples qui vont être apportés, ils vont être justes. Le problème, c'est que tu vas dire en généralité qu'il y a des exemples qui font exception à la règle, en fait, tout simplement. Kol makom sheyesh kiddushin ve'en avera. Alors sur ça, la Mishnah va me dire, tout endroit où il y a des kiddushin, tu peux acquérir la femme, c'est-à-dire ça tient, ça prend, si tu l'acquiers, ça devient ta femme, ve'en avera, et il n'y a aucun interdit dans ce que tu as fait. La Torah l'a pas précisément dit. Dans ce cas-là, Avaled Olech Achar Azachar. Le petit qui va naître, l'enfant qui va naître, va être affilié à la qualité du père. Par exemple, Ve'eize, quels sont les cas? Zu Kohenet Leviya Ve'israelit. C'est une femme qui est, par exemple, une femme Kohenet, ou une femme Leviya, ou une femme Israël. Sheniset, la Kohen, ou les Lévi, ou les Israël qui va être mariée avec un Kohen, ou avec un Lévi. Ou avec un Israël. Soit, si je suis Kohen et ma femme elle est Israël, je vais avoir des enfants Kohanim. Si je suis Israël et ma femme elle est Kohen, je vais avoir des enfants Israël. Pour quelle raison? Parce que là, il y a la généralité qui est dit dans le Mishnah, que Yesh Kiddushin ve En Avera. Les Kiddushin prennent, et il n'y a pas d'interdit. J'ai le droit de me marier. Excusez-moi. J'ai le droit de me marier avec une Kohenette ou avec une Israël, et donc dans ce cas-là, la Mishnah me dit que l'enfant est affilié selon le père. Ce que je suis, l'enfant y sera. D'accord? Pour le moment, c'est très simple. Deuxième généralité, et c'est dans cette généralité où il y a en réalité un vrai problème, peut-être que je vous l'annonce très rapidement, et après on en reparlera un petit peu plus dans le détail, c'est le halal. Le halal, c'est un Kohen qui est né d'une union interdite. Entre un père Cohen et une femme qui n'avait pas le droit de se marier, il devient un halal. Maintenant, un halal, il a le droit de se marier avec une femme Israël, et il n'y a pas d'interdit. Et bien sûr, l'enfant qui va naître va être aussi un halal. Le problème, c'est que si il a une fille qui va se marier avec un Israël, l'enfant qui va naître va être aussi un halal.
C'est l'exception de la règle, on en reparlera plus en détail. Pour le moment, je ne vais pas continuer, je vais juste jeter l'idée, comme ça après, ce ne sera pas complètement nouveau et vous ne saurez pas comment faire. Là, pour le moment, d'accord, c'est clair? Donc, je reprends. Pour le moment, très simple, les kiddushin prennent, je n'ai pas d'interdit, l'enfant est affilié à moi et pas à elle. C'est clair, on avance. Vechol makom sheyesh kiddushin veyesh avera. Et partout où il y a des kiddushin, mais yesh avera, la Torah elle a prescrit de ne pas le faire. Et tu le fais et les kiddushin prennent. Tu maries, mais tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Dans ce cas-là, avla doler hacharapagum, l'enfant qui va naître va prendre le statut, va être affilié selon la personne invalidée des deux parents. Je saute directement sur l'exemple qui va être expliqué plus loin, pour l'illustrer, avant de monter dans l'exemple un peu plus raffiné. C'est très simple, un mamzer. Un mamzer, c'est quelqu'un qui est né d'une union interdite, une femme qui a eu un adultère, un homme avec sa fille, avec sa soeur, toutes sortes de choses, les cas d'inceste violents. Ça fait des enfants mamzerim, des bâtards. Cet enfant-là, maintenant, il n'a plus le droit de se marier avec un Ben Israël. Il pourra se marier avec... il n'a plus le droit de se marier avec une Bat Israël. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille. J'ai pas le droit de me marier avec un mamzer. Une fille n'a pas le droit de se marier avec une mamzerette. Un homme n'a pas le droit de se marier avec une mamzerette. Une fille Bat Israël n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. T'as pas le droit de te marier. S'il s'est marié, eh bien l'enfant, il va être mamzer. On va pas dire, ah non, son père était Israël et sa mère mamzerette, donc il va être affilié au père, c'est plus un mamzer. Non. Dès qu'il y a un interdit de se marier avec elle, alors l'enfant, il devient mamzer. Pour le moment, la notion est claire. Là aussi, il y a une exception, mais on en parlera après. Donc, je reprends la généralité. Partout où il y a des kiddushin qui prennent les kiddushin, on acquiert la femme. Mais yesh avera, mais il y a un interdit de se marier avec elle. Avlad olechacha pagum, l'enfant qui naîtra sera affilié au pagum, au défectueux. Soit, alors la Mishnah va commencer à me prendre un exemple de Kohanim, deux exemples de Kohanim. Veizo, quel est l'exemple? Zou almana le Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, il va pouvoir se marier avec une veuve. S'il se marie avec une veuve, alors l'enfant, on ne dira pas que c'est un Kohen. Non! On va dire que l'enfant, c'est pas un veuf bien sûr, mais l'enfant va être un halal. C'est quelqu'un, ça a été quelqu'un qui a été vidé de sa keuna. Ou bien encore Groucha Bachalot, ça les Kohen Ediot. Encore une femme divorcée ou une femme qui a fait la Khalissa, un Kohen simple, pas qui est Kohen Gadol. Un Kohen, peut-être, il faut le savoir, je ne savais pas que j'ai rencontré quelqu'un récemment qui ne connaissait pas cette halakha évidente. Un Kohen a le droit de se marier avec une veuve, n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Un Kohen classique. Il a le droit de se marier avec une veuve, mais n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Et s'il se marie avec une divorcée, l'enfant qui naîtra sera un halal. Un halal, c'est un enfant qui est... C'est pas halal en arabe, c'est pas qu'il est devenu taref, non. C'est un halal qui a été... halal, ça vient du mot qui a été vidé. Ouais, un halal, c'est un espace vide. Il a été vidé de sa kéouna. Il est plus grave qu'un Israël. Cet enfant-là, il pourra se marier avec toutes sortes de nés Israël. Le seul problème, c'est qu'avec qui il se mariera, qu'il soit garçon ou qu'il soit fille, tout enfant qui naîtra ensuite sera un halal de nouveau, quelqu'un qui ne pourra pas se marier avec un Kohen. Il y a une machloquette, il y a plusieurs cas de figure. On n'est pas en tout cas, pour le moment, l'enfant qui va naître sera un halal, et si jamais il va avoir une fille, cette fille-là ne pourra pas se marier avec un Kohen. Ok? Donc je reprends maintenant. Donc quel est le cas où il y a des kiddushin, mais il y a un interdit? Donc on a dit Alman el Kohen Gadol, Rosha Bachal Otsa le Kohen Eliot, ou encore Mamzeret ou Netina et Israël. Une mamzeret ou un natin. Natin, c'est un peuple qu'on a été gozer de ne pas se marier avec eux. Ça, ils ont un statut de mamzer, mais des rabbanan. Ou bien encore même, Bat Israël, les mamzer en natin. Ou bien inversement, c'est pas que un garçon avec une fille un peu invalidé, mais même une fille kshera avec un garçon invalidé. D'accord, Bat Israël, les mamzer en natin, dans les deux sens, toujours on aura un mamzer. Il sera toujours affilié au pagoum, ça veut dire en deux mots. On va se concentrer sur Israël et Mamzer. Un Israël qui se marie avec une Mamzerette, un enfant, il a un statut de Mamzer, même s'il n'a pas, il n'est pas né de relation interdite, mais puisqu'il la mère, elle n'avait pas le droit de se marier parce qu'elle est devenue une Mamzerette, elle a été fécondée deux générations en arrière, mais sans ses enfants, il reste avec un statut de Mamzer, qu'un Israël n'est pas de se marier avec elle. Si il se marie avec Israël, il se marie avec elle, il va avoir un enfant de Mamzer qui ne pourra pas se marier de nouveau avec une Bat Israël. Il pourra se marier avec des convertis,
converti, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Seulement, ça ne vaut pas le coup. Je lui déconseille. Parce que les enfants qu'il aura, ils ne pourront pas se marier avec des bnei Israël. Ils ne pourront se marier qu'avec des mamzerim ou des convertis. Donc ça ne vaut pas le coup, parce qu'on réduit énormément le chouk des chinouchim, comme on dit chez nous. D'accord ? Il réduit énormément, mais concrètement, il n'a pas un... C'est de nouveau une bonne exception à la règle. Je préfère rester concentré sur ce qui est clair avant de t'expliquer ce qui n'est pas clair. Mais, d'accord ? Pour le moment, on a parlé d'un ben Israël avec un mamzer. Un mamzer avec une bat Israël, dans les deux cas, c'est interdit. Et voilà. Ok ? On arrive maintenant à la troisième généralité. Vechol mishen la alav kidushin. Pas pour toute femme qui n'a pas sur lui des kidushin. Moi, je ne peux pas marier cette femme. Aval yeshla alachirim kidushin. Mais cette femme-là, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre avec des kidushin. Quand on arrive dans une configuration pareille, moi, je ne peux pas marier avec elle et les kidushin, si je me marie avec elle, les kidushin ne prennent pas. Mais si elle se marie avec quelqu'un d'autre, les kidushin prennent. C'est très simple. Dans tous ces cas de figure, c'est un plat de mamzer, ça signifie qu'en fait on a une femme, que moi je peux pas marier avec elle, mais elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Donc en fait c'est une proche parent de moi. C'est ma soeur, c'est ma mère, c'est ma fille, ou c'est une femme mariée même. Elle est permise à son mari, mais elle n'est pas permise à moi. Alors de nouveau, dans tous ces cas de figure, un plat de mamzer, l'enfant il deviendra mamzer, et clair, comment se présente le cas, c'est le cas d'un homme qui va aller avec une toute femme qui est une arayot. Les arayot, Arayot, c'est les femmes, les cas d'inceste, de relations interdites, soit parce que c'est une femme mariée, ou soit c'est parce que c'est une proche parent à lui. Ok. Quatrième généralité, de chol mi she'en la lo alav ve lo alachirim kidushin avlad kamota. Et toute femme que ni moi ni personne d'autre peut la marier, cette femme-là, alors dans ce cas-là, avlad kamota, le vlad, il aura le même statut que la mère. Je reprends la configuration, c'est un peu compliqué là. On a une femme que elle peut se marier avec personne d'autre. Si je me marie avec elle, l'enfant il sera comme elle. De quoi on parle, c'est très simple. Et c'est quel est le cas? Zevlad Shifra Venochrit. C'est l'enfant de l'esclave, de la servante, qui est de l'esclave Goya, et la Nochrit et la Goya. Si un homme, un juif, il se marie avec une Goya, l'enfant il va avoir un statut de Goy. Si un goy, il va se marier, si on peut dire se marier, avec une bat Israël. Donc lui, de nouveau, il ne peut pas, ça, la généralité, de nouveau, c'est encore le cas. Donc, l'enfant, de manière générale, s'il n'y a pas de rapport entre eux, ils ne peuvent pas se marier. Alors l'enfant, ils ne peuvent pas se marier, parce qu'il y a un des deux qui est exclu complètement de se marier avec quiconque. Donc en fait, ça signifie que c'est soit un esclave, ou soit un goy. Dans ce cas-là, l'enfant est affilié à la mère, c'est pour ça que de là, on apprend que un goy qui va se marier avec une juive, qui va avoir un enfant avec une juive, l'enfant il sera juif, et un juif qui va se marier avec une goy, l'enfant il sera goy. Pourquoi? Parce que c'est cette généralité qui m'apprend ça à la Mishnah, tout ça c'est du psukim bien sûr, que si on a une femme que personne ne peut se marier avec elle, ça signifie qu'en réalité, il n'y a pas, c'est pas un mamzer. Un enfant qui n'est d'une goya, c'est pas un mamzer. De ce point de vue, il est moins grave, que moins embêtant qu'un homme qui est parti avec une femme qui a le droit de se marier avec elle, qui a pas reçu son guet, par exemple. Malheureusement, c'est des cas terribles, que malheureusement, depuis que Keren Israël, le verger d'Israël, il a perdu son... Depuis maintenant, je ne sais pas quand ça commence l'émancipation, mais avec des gens qui vivent un petit peu trop à la frivole, sans réellement préserver la Torah, on se retrouve souvent avec des disputes de couple qu'à la fin, ils se séparent, et elle commence à vivre avec quelqu'un, elle a pas reçu son guet. Et ça fait des mamzerim, et il y a des cas de mamzerim, mais il faut faire attention quand on marie avec ses enfants à bien vérifier qui sont les souches, parce que ça pose des problèmes. Entre parenthèses aussi, il y a aussi le problème des kohanim. Un kohen qui va se marier avec une fille qui a connu un goy, l'enfant il va être halal aussi de nouveau. La fille elle devient halala, ça c'est la généralité qu'avait rapporté en haut, que la femme devient halala, et donc dans ce cas-là, l'enfant il sera pas goum, il sera de nouveau halal. Ouais, dans ma jeunesse j'ai connu un cas d'un kohen d'une famille tunisienne, Cohen, très méchoubédette, que malheureusement, le fils, il a été attiré par une fille qui était un petit peu, qui a plus connu l'école Goy, et imagine tout ce qui peut se passer là-bas, et les parents, ils étaient brisés complètement, que leur souche pure Cohen, je sais pas s'ils étaient djerbiens ou pas djerbiens, je sais pas exactement, mais ouais, imagine la catastrophe que ça fait des enfants halalim. D'accord? Donc je reprends maintenant la généralité de la Mishnah,
Et on ne va pas trop rallonger sur les exceptions. De manière générale, la Mishnah est relativement simple. C'est-à-dire, s'il y a une femme que je peux marier avec elle, il n'y a aucun problème, l'enfant il est affilié au père. S'il y a un problème, l'enfant il est affilié au problème. Si c'est une femme, voilà, ça c'est deux premiers cas. Et si c'est une femme que maintenant, alors maintenant on va s'intéresser aux femmes que les kiddushin ne prennent pas si je me marie avec elle, et il y a deux cas de figure. Il y a une femme que moi j'ai un problème avec elle, mais elle, elle a de problème avec personne, et moi j'ai de problème avec personne d'autre. Juste entre nous, on a un problème. Donc c'est un cas d'inceste, ça fait des enfants mamzerim. Et si c'est quelque chose, il y en a un de nous deux, en réalité, que aucun peut, qu'il y en a un des deux qui ne peut pas du tout se marier avec quelqu'un d'autre, donc c'est quelqu'un qui est exclu du mariage avec le Ham Israël, c'est soit un goy, soit une esclave, et l'enfant, il affilié toujours à la mère, soit il sera juif, soit il sera complètement juif, soit il sera complètement goy. Ok? Ça, c'était la généralité. Maintenant, il y a quelques petites exceptions qu'il faut savoir. C'est à savoir, si un halal, alors la première exception, c'est un halal, qui est né d'une relation de Cohen, un Cohen qui n'avait pas le droit de se marier avec une divorcée. Il va avoir un enfant halal. Si ce halal, il va se marier avec une, il a le droit de se marier avec une Bat Israël, et l'enfant, il sera halal. Donc si elle a une fille qui va être halala, sa fille-là ne pourra pas se marier avec le... cette fille-là ne pourra pas se marier avec le Kohen. Et il y a une marloquette, je ne sais pas comment c'est retenu l'alaha par contre, il y a une marloquette quand c'est le cas contraire. Soit, si le Kohen qui s'est marié avec la Kohenette, il a eu une fille, et cette fille-là, elle va se marier avec un Ben Israël, il n'y a pas de relation interdite, et il n'y a pas de relation interdite, est-ce qu'ils vont avoir une fille? Est-ce que cette fille-là a le droit de se marier avec un Kohen? Sur ça, c'est une marloquette, et je ne sais pas comment l'alaha est tranchée, je ne veux pas parler sans connaître exactement. Et il y a aussi un autre problème aussi, qui est une autre exception à la règle, qui est des exceptions à la règle, c'est le, comme on a dit, le mamzer qui se marie avec la convertie. Le converti, en théorie, il a le droit de se marier avec qui, en fait. Parce que, étant donné que c'est pas le peuple d'Israël pur, de la pure souche, qu'il faut veiller à sa souche, de toute façon, il est un ancien goy qui s'est converti, il n'est plus affilié, il n'a plus la nécessité de garder le principe de la famille pure souche. Donc la loi se marie en réalité avec presque tout le monde, il a le droit de se marier avec une mamzerette et tout ça. Il va juste savoir que maintenant, même si il a le droit de se marier avec une mamzerette, l'enfant qui va naître va être mamzer. Va avoir un statut de mamzer, pas mamzer parce qu'ils vont avoir un adultère, mais puisqu'il est affilié à une bâtarde, alors ça reste, il prend un statut de bâtard, on n'aura pas le droit de se marier avec lui. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.